Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons vous parler de montagne. Cela vous surprend? Pourtant, c'est bien le chapitre 4 de Fratelli Tutti que nous allons regarder. Dans ce chapitre, le pape François nous pousse non seulement à prendre de la hauteur, mais nous offre, face aux immenses défis des personnes migrantes et des géopolitiques associées, un chemin qui chaque fois se trouve sur une ligne de crête. Le pape François commence, comme à son habitude, à nous interpeller. Et si nous prenions au sérieux son affirmation? Tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes frères et sœurs. Si cette réalité devient concrète pour nous, alors elle nous met face à de nouvelles perspectives et des défis bouleversants. C'est bien avec cet angle de vue que le pape François aborde les questions complexes et entremêlées des migrations. Il appelle À respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Et là, le pape François nous amène sur la première ligne de crête de ce chapitre. L'accueil, l'intégration et la promotion des personnes migrantes est une nécessité, mais elle doit être accompagnée en parallèle des aides au développement des pays d'où partent les migrations. Et parce que nous sommes tous liés, ou tous encordés, ce double travail doit être fait en commun par la communauté internationale tout entière. Nous sommes appelés à un nouveau regard sur les personnes migrantes, à considérer à la fois l'aide que l'on peut apporter pour leur intégration et en même temps percevoir la richesse dont ils sont porteurs. Deuxième ligne de crête à franchir. On peut citer le pape François. L'arrivée de personnes différentes, provenant d'un autre contexte de vie et de culture, devient un don, parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Où le pape nous dit encore. Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse et un don qui invite une société à grandir. Dans ce monde globalisé et ultra connecté, nous sommes invités à prendre conscience de notre destin commun. Ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve. La pauvreté, la souffrance, où que ce soit dans le monde, finiront par affecter la planète entière. Et orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples profitera à la planète entière. L'aide au développement des pays pauvres entraîne la création de richesses pour tous. Mais le pape François s'arrête pas là. Il dit que les rapports entre les pays ne se réduisent pas à une approche utilitariste. Le pape aborde ici un thème qui peut nous interroger dans nos vies personnelles et dans nos vies quotidiennes, c'est celui de la gratuité. La gratuité, c'est pour le pape François. La capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Et c'est cette gratuité qui permet d'accueillir l'étranger, même s'il ne semble rien apporter immédiatement. Et le pape conclut. La vraie qualité des différents pays du monde se mesure par cette capacité de penser non seulement comme pays, mais aussi comme famille humaine. Le trésor de la gratuité, le pape François le trouve dans la parole de Dieu. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, plusieurs fois nous est montré l'exemple d'un Dieu qui donne sans rien attendre en retour et qui nous invite à faire pareil. Dieu donne gratuitement et n'hésite pas à faire lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Jésus nous recommande la gratuité lorsqu'il nous dit: Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et enfin, Jésus disait à ses disciples, et je crois qu'il nous le dit encore aujourd'hui: Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, une troisième ligne de crête s'offre à nous maintenant face à la tension qui existe entre le local et le global. Là encore, le pape François ne mâche pas ses mots. L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes. L'un, que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant. L'autre, qu'ils se transforment en un musée folklorique d'ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, d'apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières. Enfin, le pape nous invite à l'ouverture aux autres cultures. Une ouverture qui se veut avant tout un enrichissement. C'est là la quatrième ligne de crête. La culture vivante est celle qui, tout en assumant son identité, va à la rencontre des autres cultures pour y intégrer à sa façon les éléments nouveaux. Mais selon François, chaque culture est porteuse en soi de valeurs universelles. Et c'est à travers le prisme d'autres cultures qu'il est possible de voir ses propres particularismes, ses richesses,
ses possibilités et aussi ses limites. Cette saine confrontation nous fait grandir. Le pape François termine en insistant sur la communion qui existe entre des pays distincts. Sans les autres, il est impossible de se comprendre pleinement. Nous faisons tous partie de la communion humaine. Le tout est plus que la partie et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Enfin, dans une dernière partie de ce chapitre, le pape appelle chaque pays à vivre de l'esprit de voisinage tel qu'il peut encore se vivre à l'échelle individuelle de certains quartiers. Tout comme cet élan spontané d'entraide et de solidarité avec les personnes qui habitent autour de nous, le pape appelle à ce qu'entre pays proches, nous puissions nous appuyer sur les mêmes valeurs de gratuité, de solidarité et de réciprocité pour construire des relations cordiales de voisinage avec les peuples voisins. Alors voilà, sacrée randonnée que ce chapitre 4. Alors pour terminer, nous voulions vous rappeler les quatre grandes lignes de crête qui se sont dégagées de ce chapitre. À la fois l'intégration des personnes migrantes et la nécessité de l'aide au développement coordonné. Le don, l'enrichissement réciproque vécu dans cette intégration des personnes migrantes. La tension entre le local et l'universel qu'il ne faut pas lâcher. Enfin, la culture vivante entre une identité propre et la confrontation aux autres cultures. Et avant de vous laisser, nous avions aussi envie de vous poser deux questions pour partager à l'issue de cette vidéo. Quelle est mon expérience de la gratuité dans ma vie quotidienne? Où ai-je été témoin d'un acte de gratuité qui m'est profondément marqué? Comment est-ce que je participe à l'esprit de voisinage à ma propre échelle? Bon partage à tous!